C'est devant le mémorial d'Edmond Albius au Bocage, à Sainte-Suzanne, qu'a été commémorée ce mardi 10 mai la Journée nationale des mémoires de l'esclavage. L'occasion pour le département et les acteurs publics et associatifs de rendre hommage à cet esclave réunionnais, et ce à travers une nouvelle exposition permanente près du Jardin du patrimoine et de la mémoire. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 10 mai, c'est la commémoration de la loi dite Taubira, en fait, qui considère l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette loi, c'est un moment pour nous réunionnais de rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont été réduits au stade d'esclaves. Et nous avons un esclave brillant ici, à Sainte-Suzanne, Edmond Albius, qui, de par ses facultés, ce qu'il a fait, à savoir la fécondation de la famille, ben, il est rendu célèbre dans le monde entier. Et c'est à nous aujourd'hui de ne pas oublier toutes ces personnes, parce qu'on les retrouve aussi à travers l'économie, à travers nos quotidiens. Un rendez-vous avec l'histoire de la Réunion célébrée en musique et en présence des enfants de l'école José Barreau de Sainte-Suzanne. Atelier ludique, coloriage, documentation, le but, enseigner l'héritage culturel de l'île aux jeunes générations. Nous à La Réunion, on avait l'habitude de fêter et on fête toujours le 20 décembre. Mais aujourd'hui, il faut pas oublier le 10 mai parce que c'est important. Enfin, l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité et c'est l'occasion à jamais eh bien, de s'approprier cette page de notre histoire, de parler de l'esclavage, de ne pas avoir honte de parler de l'esclavage et surtout de tenir un discours en faveur de la jeunesse au niveau de la génération future. On ne peut pas parler d'histoire si on n'associe pas la jeunesse, si on n'associe pas la nouvelle génération. Donc il y a des écoles de Sainte-Suzanne qui sont venues aujourd'hui participer à des ateliers pédagogiques. Il y a un jeu qui a été réalisé sur le patrimoine de Sainte-Suzanne. Il y a des ateliers pédagogiques sur l'esclavage, sur la traite négrière. Les enfants découvrent de façon ludique ce qu'est l'esclavage et l'engagisme. Donc c'est vraiment un grand moment d'échange, de partage et bien sûr de fraternité. Des ateliers qui ont permis aux Marmailles d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine historique de la Réunion et l'esclavage, tout en posant les bases de leur future citoyenneté. Salut Maroni, alors dis-moi tout, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Salut Alexandre, je vais te faire découvrir la CMI. Tu sais ce que c'est? La CM quoi? La CMI Alexandre, c'est la carte mobilité inclusion. Mais ne t'inquiète pas, c'est super simple et super pratique, tu vas voir. Si vous aussi cette carte vous intéresse, restez avec moi. La CMI, c'est le petit nom de la carte mobilité inclusion. Cette carte peut être utilisée par les personnes âgées ou handicapées. Ce dispositif du département donne droit à plusieurs avantages, vous allez l'entendre. Julicia, bonjour. À quoi est servent la carte mobilité inclusion? La carte mobilité inclusion, ils permettent à eux d'être reconnus handicapés, de passer plus vite dans, comme on dit, l'hôpital, supermarché. On prouve que ben, on est handicapé. Il est difficile qu'on n'est pas voyant. On ne considère pas que tu es handicapé. Justement, pourquoi cette carte est importante pour eux? Mais la carte va faciliter la moyen d'être visible auprès des gens, visible auprès de la société. Cette carte-là permet de montrer, voilà, je ne suis pas bien, mais regardez, je me bats quand même et je voudrais aller plus loin. Quels sont les avantages de cette carte de notre quotidien? Ah ben mon droit de personne handicapée, si on n'a rien que l'apparence physique et on n'a pas l'intérieur, mais ça, cette carte-là permet de voir l'intérieur. Merci Julicia. Depuis 2017, le département se charge de délivrer la CMI. Cette carte se décline en trois mentions: l'invalidité, la priorité et le stationnement. Chacune de ces cartes facilite le quotidien de ses bénéficiaires. Bonjour Majorie. Bonjour Maroni. Quels avantages offrent les trois cartes de mobilité inclusion? Donc nous avons trois cartes de CMI, la CMI priorité, invalidité et stationnement. La CMI stationnement, c'est pour les places de parking. La CMI priorité, c'est pour les files d'attente lorsque la personne est en station de voie pénible.
Et la CMI invalidité fait office de priorité, mais également la personne a droit à une demi-part d'impôt supplémentaire et l'attribution aux logements sociaux. Et justement, quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir bénéficier de ces cartes mobilité inclusion? Il y a deux portes d'entrée, l'MDPH ou l'ASA. Donc l'MDPH, c'est pour les personnes qui ont moins de 60 ans ou les personnes qui ont plus de 60 ans mais qui n'ont pas d'APA. Et pour l'ASA, c'est pour les personnes qui ont plus de 60 ans, qui bénéficient de l'APA ou qui sont demandeurs d'APA. Merci Marjorie. Je t'en prie. Grâce à la CMI, les bénéficiaires sont prioritaires dans le transport en commun, dans les files d'attente ou encore sur les places de parking. Ce dispositif profite aussi à leurs accompagnants. Avec cette carte, leurs déplacements sont beaucoup plus simples et surtout plus agréables. Bonjour Julicia. Bonjour Marjorie. Alors, depuis la dernière fois? Depuis la dernière fois, avec ma carte, ça permet à moi de valoir mes droits. D'accord. Mmh. Et cette carte, elle est vraiment utile pour ton quotidien? Oui, pour mon quotidien, oui. Pour montrer que Milly est handicapée et que ça ne se voit pas, mais elle est là. La carte là, c'est une clé. Ah. Voilà, c'est ma clé pour acquérir mes droits. D'accord. Bon, ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la CMI, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les épisodes précédents, rendez-vous sur nos sites et réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt! La semaine prochaine, je vous invite à découvrir l'aide au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés. Grâce à ce dispositif du département, ce sont environ 1800 jeunes qui peuvent accéder à un véhicule pour se rendre à l'école, au collège, au lycée ou encore à l'université. Ce sera également la première fois que je fête mon anniversaire en dehors de la Réunion. Et franchement, j'aime bien. En plus, il y a un beau panorama autour de nous, c'est un cadre magnifique, on est dans un bon hôtel. Ouais, c'est ça, c'est un anniversaire que je me souviendrai toute ma vie. Il n'y a pas la barrière de la langue et le contact, il est direct, il est déjà dans le regard, dans le sourire et puis dans des petits contacts et au fur et à mesure, la barrière, elle s'abaisse et puis c'est juste génial, la relation se crée. Le fait d'avoir des étrangers, d'être différent, ça montre que finalement, nos différences nous enrichissent et les enfants, ils sont sensibles à ça et on le voit bien. C'est vrai que quand on devient adulte, on a tendance à mettre plus de barrières sociales, alors que là, il n'y a pas la barrière et l'échange se fait tout naturellement. Ça rapproche les gens, les enfants viennent, les gens sont contents. Et en plus, ça nous permet d'avoir des super échanges avec la population parce que y a la réciprocité. Donc nous, on chante, on danse et en échange, eux aussi, ils nous offrent leur chant et c'est super. Ça les fait apprendre notre culture. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de musique. Ils apprennent à chanter aussi des fois. Ils aiment venir avec nous danser sans problème. Ils ne sont pas gênés, ils viennent vers nous, quoi. On découvre aussi leur culture parce que par exemple, par la musique, on commence à jouer nos musiques et tout. Et après, des fois, tu as les guides et tout qui viennent et qui mettent leurs propres chansons. Ça permet à chacune des deux cultures de découvrir l'autre. Période dans votre vie qui est un petit peu une sorte de, on l'espère pour vous, d'une porte d'entrée vers une autre vie en allant vers la vie d'adulte. Cela nous a beaucoup aidés, surtout pour ceux qui avaient des problèmes de vue. Nous souhaitons vous dire un grand merci. Merci.
On est ici aujourd'hui pour accueillir le groupe et les remercier. Vous êtes ici avec nous et vous êtes venus de loin, de différents endroits. Et on peut voir aujourd'hui des gens qui viennent d'un peu partout pour la visite médicale et ils vous sont très reconnaissants. Tout le monde ne parle pas anglais, mais ils sont très reconnaissants pour votre aide et surtout pour les lunettes de vue. Ils sont heureux et on le voit. On le ressent vraiment qu'ils sont contents. Certaines personnes doivent marcher à peu près une heure pour venir jusqu'ici. On leur a dit que vous seriez là aujourd'hui et ils se sont organisés pour être là. Dans le cadre du joli mois de l'Europe, une journée d'information s'est déroulée ce mardi 3 mai à la MFR, maison familiale rurale qui forme les jeunes au métier d'agriculteur. Serge Ouarou, premier vice-président du département délégué à l'agriculture, est venu leur parler du FEADER, le Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural. C'est essentiel de faire passer le savoir, et notamment faire passer le savoir à nos jeunes qui sont dans une orientation soit de devenir ouvrier agricole ou technicien agricole ou simplement devenir demain des chefs d'exploitation. Il leur a expliqué que dans le monde agricole, ils ne sont pas seuls. Ils peuvent être soutenus par l'État, le département, la région, mais surtout par l'Union européenne. L'Union européenne qui accorde une enveloppe exceptionnelle à La Réunion, 589 millions d'euros sur la période 2014-2022. Et notre objectif, c'est de faire en sorte qu'aucun euro retourne à l'Europe. Donc, il est important de sensibiliser nos jeunes. C'est important pour le fait, demain matin, pour les jeunes qui vont s'installer, enfin, je parle des jeunes parce que c'est notre cas, connaître ça pourquoi, pour pas être laissé à l'abandon et connaître vraiment les fonds, les financements qu'on peut avoir. Et puis voilà, après, chacun jugera de s'il a besoin de ces fonds-là ou pas forcément. Pour s'installer, mais c'est bien de savoir que ces fonds-là existent pour demain matin avoir pour que les jeunes pour pouvoir aider les jeunes sur leur installation. C'est une cérémonie religieuse à la mémoire donc de deux personnes qui étaient très impliquées dans le projet, grâce à notre guide qui est du village. Il a demandé à donc trois personnes religieuses d'organiser cette cérémonie pour avoir un temps de spiritualité dans le temple du village qui avait été complètement détruit lors du tremblement de terre de 2015. Et donc on a pu faire également une offrande pour montrer que bon, on était attentif à leur histoire, à leur souffrance. Pour les bouddhistes, l'une des croyances est que lorsqu'une personne meurt, pendant 49 jours à partir du moment où elle est décédée, le corps meurt et l'esprit se détache du corps. Et cette conscience restera dans l'errance pendant 49 jours. Après ces 49 jours, l'esprit sera prêt pour une autre vie et tout sera allumé de nouveau. Après ta mort, ta conscience n'a plus aucune lumière et cette bougie, ici, c'est une source de lumière pour trouver ton propre chemin. Je trouve ça très apaisant et je suis très heureuse d'avoir participé à ça parce que ça m'a apaisé tout mon âme. J'aimerais beaucoup que ce soit la réalité parce que
bah, on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, en fait. Personne ne nous a dit ce qui se passe après la mort. Mais je trouve que c'est très sage et très, une belle façon de penser, une très belle façon de penser. Je trouve que c'est une religion qui est très sage et c'est pas du tout pareil que les religions qu'on a à La Réunion, comme chrétiens ou musulmans.